C'est tellement calme ici. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi, c'est quasiment le week-end, tu vas me dire. Ouais, je sais, je suis toujours en week-end. Je suis en vacances prolongées. Ouais, bah tu vois, c'est la vie, c'est comme ça quoi. Bref, je suis artiste. Ça compte n'importe déjà ce matin. Je viens. Oh là là, il faudrait qu'il refasse cette route là. C'est de la pierre, mais. Voilà sur quoi je suis obligé de marcher. Sur de la pierre. Mais pas stable. Bref, nous sommes vendredi. J'avais dit hier, vendredi créa. Vous inquiétez pas, c'est vendredi créa. Je commence juste dehors. Pourquoi? Parce que je viens d'aller à la poste. Et voilà, voilou. Parce que j'avais des commandes à poster. Et je me suis dit, tiens, pourquoi j'irais pas filmer un petit peu en bas? Ça fait longtemps. La cascade. Vous la voyez plus. Petite cascade des familles. Petite cascade de la maison. Pas de pas très loin de chez moi, bref. C'est même pas une cascade en plus. Le gars, c'est un pont quoi. C'est un mini barrage. Même pas. Voilà, bref. J'aime bien entendre le vent, les oiseaux le matin, ça fait du bien, ça fait plaisir. Là, je vais rentrer, on va se retrouver directement dans mon atelier parce que c'est vendredi créa. J'ai la table, je ne sais pas encore ce que je vais en faire de Mickey parce que vous êtes très impatients de voir ce que je vais en faire. Ah, il y avait l'idée de l'horloge, était super sympa. Sauf que la palette est un peu trop large pour le truc des aiguilles parce que j'avais ça mais je pense que je sais pas encore, bref, et je vais faire une page aussi de scrap, bref, allez, on se retrouve à l'heure. Ça donne tellement envie de se baigner cette rivière, on va dire si transparente, claire, l'eau claire. Bref. Mais bon, on va falloir peut-être attendre un petit moment que la température se réchauffe quand même, hein, parce que malgré les températures très chaudes, il fait assez frais. Ouais, c'est très contradictoire, là il y a un petit peu de vent, mais bon, bref. Bon, scrapbooking, ok, je vais faire quoi? Ah, ce serait bien que j'utilise un de mes nouveaux pochoirs. Non, je vais attendre d'utiliser mes nouveaux pochoirs que je les montre avant, ou peut-être pas. Ah, c'est qu'ils sont là-bas en fait. J'ai la flemme d'aller chercher. Non, je rigole, j'ai pas la flemme, mais. Non, je vais faire. Bon, si je vais aller chercher. C'est juste que je sais pas si j'ai du style. Parce que là, j'ai beaucoup de photos de Disney de l'année dernière. Pas de cette année, parce que là, il y a de la neige dessus. Je vais encore développer et réellement on n'a pas fait beaucoup de photos cette année à Disney. J'ai beaucoup filmé, mais on n'a pas fait beaucoup de photos parce que déjà, comme on vous a dit, les enfants ne voulaient pas être sur les photos, ils voulaient pas être pris en photo. Hashtag relou. Bref, je vous raconte ma life. Je cherche une photo, j'en ai pas. J'ai que du Disney, je vais être obligé de faire du. Ah non, là, voilà. J'ai des photos un peu printanières. Ouais, on va faire ça. Ce spot sert vraiment à tout. Hop, il sert deux lampes pour le scrapbooking, il sert deux lampes pour mes yeux. Ah, bah ouais, c'est de la luminothérapie.
C'est très dur à dire, luminothérapie. Bref, je viens de finir ma petite page de scrapbooking que j'ai commencé. Oui, si je l'ai commencé, je l'ai fini, on est d'accord. Trop de lumière. Je vais faire ma petite présentation d'ATC. Présentation ATC. Eh, mais ça serait pas le temps de... Ouais, nous sommes le 1er mars. Et ça serait pas le temps de faire un nouvel appel ATC? Tintin. Non, il y a marqué toujours Disney. Eh, mais vu que je retourne à Disney pour le mois de mars, est-ce qu'on continuerait pas sur le Disney? Non, bien sûr, je rigole. Non, je pense que ça sera... je sais pas, à vue de nez, il y a quoi le 31 mars? Il y a quoi? Est-ce que je ferai pas une appel de carte anniversaire? Ah, il me manque un N. Aniv, Disney. Ah bah non, bah Disney on l'enlève, donc je peux prendre le N de Aniv. Appel, ATC, ou carte, hein, pour ceux et celles qui préfèrent les cartes. Aniv. Voilà. Mais on garde quand même Disney, au cas où. Non, Aniv, hop. Puis on enlève le Disney. Est-ce qu'on partirait sur un petit appel ATC, Aniv, versaire, pour mon anniversaire? Voilà, c'est la fin du mois, 31 mars. Au cas où si tu le savais pas. Voilà, voilà. Bref, je vais aller monter cette vidéo que je viens de filmer, que vous aurez dimanche matin, tranquillement. Voilà. Ouais, parce que je trouve que une petite page comme ça, le dimanche matin, je pense que ça fait plaisir. Ou peut-être pas, mais bon. Quoi? Ça vous fait pas plaisir? Ah, on verra, peut-être que vous aurez un vlog demain, selon la motivation des pouces bleus, et selon la motivation des commentaires. Il y aura peut-être un vlog demain matin, et peut-être il y aura la page le soir, peut-être. Mais ça va dépendre de vous, ça dépend de vous. Plus on aura de pouces en l'air, plus on aura de commentaires, ouais ça rimait donc donc je trouvais que ça passait bien, bah plus motivé, faut chercher un mot en R, plus motivé sera Monsieur R, et pas le rappeur, hein. Ouais, donc, je dis ça, mais ça se trouve, vous connaissez même pas Monsieur R, le rappeur, ouais c'est un rappeur, Monsieur R. Je vais monter ma page avant de partir à la salle de sport. Je ne sais pas quelle heure il est. Je cherche mon téléphone, mais il est en recharge. Voilà. Ensuite, on va à la salle de sport. Vu que je ne suis pas allé mercredi, je pense qu'aujourd'hui, ça risque d'être un peu fragile au niveau des jambes. Voilà. Et on se retrouvera après. Je ne sais pas ce qu'on mange ce soir. Mais j'ai hâte d'être à demain. À demain. À demain. Pourquoi je me suis pris pour Sheldon? Penny. C'est une série pour ceux et celles qui... En fait, c'est super chiant ça à chaque fois d'avoir des références et d'être obligé de dire qu'est-ce que c'est, parce que automatiquement, dans tous les abonnés, ça se trouve je fais ça et ça se trouve il y aura des abonnés qui ne connaissent pas. Voilà, c'est comme quand tu joues à un jeu ou quand tu fais un truc comme ça, t'es obligé de préciser. Voilà, donc en fait ça perd la blague, ça perd le petit truc en fait, bref, et donc voilà, j'arrête, j'ai hâte d'être demain parce que demain on va faire les courses, ouais j'ai hâte de faire les courses, non en fait tout simplement parce qu'on va en Espagne, et vu qu'en Espagne on va faire un petit détour par un petit lac, que j'ai en fait j'ai fait des petites recherches sur internet et voilà, et j'ai trouvé un petit lac pas très loin de où on va faire les courses, donc il y a moyen qu'on voilà qu'on ait des belles images photos vidéos drone, voilà, et donc c'est peut-être pour ça que demain matin, selon votre motivation au pouce bleu, il y aura peut-être un vlog, peut-être, et un retour de course. Ah ouais, non mais on fait la totale. Bref, allez, je vous dis à plus tard. On sort tout juste du sport, il est 18h10.
Voilà, c'était pour le côté info. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais on te sent. Voilà. Franchement, on s'est lâché encore sur cette session. J'ai mes jambes, je sens plus mes jambes. Mais c'est ce qu'il faut. Oui, de toute façon, oui, c'est que c'est là où ça travaille. Et j'ai forcé comme un malade aussi sur la muscu. Parce que je veux avoir des muscles, je veux avoir des pecs de malade. Ah, pour l'été. Pour ce soir, on mange quoi? On mange quoi ce soir? Des crêpes monsieur. Ah, moi, franchement, j'aurais bien mangé des wraps. Tu me saoules avec tes mains. Oh, mais je trouve ça tellement bon. Et bah, fais-toi un wrap au croque monsieur. Ah. Ouais, mais autant manger des croque monsieur. T'es quoi? Je vais regarder. Oui, quoi. Qu'est-ce qui est le. Par rapport aux calories. Ouais, qu'est-ce. Un wrap, c'est moins calorique que les croque. C'est sûr? Bah, pour moi. Bah, alors, je me fais un wrap alors. Un croque monsieur? Ouais. Bah, je vais mettre de la salade et du jambon dedans et voilà. Ah si, un wrap au cresson, ça me tente bien à la limite. Avec de la sauce au poivre. La salade, ouais, cresson. Et du chèvre. Ah ouais, ça me tente bien. En fait, je crois que ça va être des wraps pour nous, croque-monsieur pour les petits, parce que je pense que les wraps, ils commencent à saturer un peu les couilles. Ouais, bon, en même temps, demain midi, c'est wrap. Mais en même temps, elle a acheté un paquet de 30 feuilles. Pour 1 euro. Pour 1 euro. Donc, pour pas les perdre, faut les manger. Non, mais c'est vrai en plus. Elle les a achetées sur le marché, donc le samedi matin, marché, et elle les a payées les 30 pour 1 euro. C'est ça. Franchement, c'est donné, donc pourquoi ne pas manger des wraps? C'est là où je me dis pourquoi j'en ai pas pris deux paquets de. Ouais, mais peut-être que la date de péremption, non? T'as pas regardé? Ouais, oui, je crois, mais bon. Voilà, une fois. Si mais c'est en même temps, ouvert, c'est pas samedi. Ah bah non, c'est demain samedi. Ah bah non, c'est mort samedi. Bah la semaine prochaine. Bah en même temps, on va pas manger ça dans la semaine. Oui, non. 30 ah quoi que en même temps ça va vite hein. On va pas se nourrir que de wrap non plus ça, et ça va vite je pense qu'on a déjà mangé au moins une vingtaine hein. Bah fois 5 bah ouais fois. On en a quoi 3-4 là repas dessus autant 3 2 non 3 je dirais ah peut-être 3 aïe ah 2 ah bon bah ça va alors on est large on est large ah j'ai les cheveux qui font mal. T'as les cheveux qui te font mal. Oui, j'ai des nœuds, j'ai transpiré dans mes cheveux. Et ah ça, putain, ouais, la transpiration dans les cheveux, c'est horrible. C'est, dans la salle de, c'est à la salle de sport que je me dis que je me recouperai bien les cheveux. Quand ça coule là, quand ça colle et tout. C'est ça. Et que t'as les cheveux qui ressemblent à rien là. Là, tu sais, là, à ce moment-là, tu te dis, ah, tu sais quoi, je vais me faire refaire une petite coupe de, voilà, d'homme mature. Mais où le rapport avec les cheveux longs, les cheveux courts, l'homme mature? Je sais pas, tu sais, les hommes, ils ont les cheveux courts. Ah bon? Voilà, tu sais. Ouais, d'homme viril, quoi. D'homme viril. Au contraire, là, c'est... Ouais, je pense que là, je fais encore. Oui, voilà. Ouais, barbe, cheveux longs, je crois qu'il n'y a pas t'imagines plus. Si tu te coupes la barbe et tu te coupes les cheveux, tu perds 15 ans, là. C'est qui, la dernière fois que quand je m'étais coupé la barbe, il m'a pas reconnu? C'est pas un enfant que tu gardais? Oh, ça se peut. Bah, n'empêche que. Il y a la petite que je garde. Il y a notre photo de mariage sur le, ah, Eva. Le canapé d'Eva, ouais. Et tout à l'heure, elle regardait les photos. Et du coup, j'ai rapproché la photo. J'ai dit, elle est où, nounou? Alors, pas moyen. Bon, après, j'ai les cheveux attachés. Bon, j'ai un peu plus de joues et tout. Elle m'a pas reconnue. Et je suis, il est où, Romain? Alors, c'était pire, je crois. Elle a fait un blocage dessus. Pas moyen de reconnaître. Puis du coup, je l'ai fait voir. La petite, elle m'a regardé en disant, mais. Bah, en même moi temps, quoi, s'il te plaît. Ça date de quoi? De 6 ans 7 ans ça, on s'en va sur notre 8 ans. Ah ouais, mais oui, on a fêté nos 7 ans cette année. 8 ans au mois de juillet. C'est vrai. Et c'est en vrai. Fait, la ouais, petite, une... ouais, Raphaël, si. Parce que bon, maintenant, Raphaël. Bah, ça en même temps, Raphaël, ouais, Raphaël nous a, m'a voilà. connu déjà sans barbe, moi. Et ça fait 3 ans qu'il, ouais, voilà. qu'il nous connaît maintenant, petit bonhomme. Donc, mais Eva, ouais, du coup, elle a bloqué. Mais je crois que c'est Eva, la dernière fois, qui a été choquée quand je m'étais rasé. Ouais, mais du coup, elle a bloqué dessus, la petite, et elle a pas su me dire qui c'était. Et en me regardant, en me disant, mais tu te fous de moi, c'est pas toi. Bah, on va dire qu'il y a des kilos en moins, beaucoup de kilos en moins, parce que. Bah, moi, j'étais enceinte de 4 mois. Et notre mariage, c'est vrai qu'on l'a fait, mais en mode voilà, désolé pour ceux qui vont prendre mal, mais on était des sumos, quoi. C'est vrai, bah moi j'étais enceinte, mais voilà quoi, on était énorme, on était énorme, on était gonflés de partout. J'ai ma chemise de mariage, je l'ai toujours, et puis on peut rentrer je pense qu'on peut rentrer tous les deux dedans. Bah, rien que cet été,
quand on est parti aux Effleurs, on avait acheté une chemise à Romain. Ouais, c'est vrai. Hier, il a remis, comment dire, que je crois que je vais la passer à 90. La chemise que j'avais hier, là, en fait, à l'origine, je l'ai... Ouais. Ça fait mal. Il y a ça en trop sur chaque épaule, quoi. Ouais, ça en trop sur chaque épaule. C'est dingue comment entre c'est parce que moi, je suis à moins 6 kilos, toi, t'es à moins 8. Moins 8,7. Ouais. Comment, quasiment moins 9, comment en peu de poids, parce que c'est pas non plus énorme ce qu'on a perdu, même si c'est très bien. Bah, dit quasiment 9 kilos, ça fait énorme. Hein. En fait, quand tu penses, t'imagines, c'est ouais. Ta fille. Non. Non, moi, c'est déjà, Stéphanie. Comme je dis, c'est là, cette semaine, bon, a priori, on stagne pour l'instant cette semaine. Bon, après, c'est pas grave en soi, voilà. Mais comme je dis, moi, je peux remettre tous mes pantalons en taille 40 et je rentre dedans easy, quoi. Je fais pas, vas-y, rentre, je rentre et je ferme nickel, quoi. Donc même si je perds pas de poids, je me dis je m'en fiche, je m'affine, c'est le principal. Voilà. Mes collègues, elles me disent en plus, tu t'affines, ça se voit. Donc voilà. Bah là, je viens d'avoir un commentaire. Alors je sais, j'ai pas eu le temps, j'ai juste eu le petit mot phrase qui disait coucou, ça se voit grave que t'as maigri. Alors je sais pas si c'est Corinne ou moi. Moi, je pense que c'est plus toi, parce que moi après. Tous les deux, même moi je trouve que Corinne a maigri. Même moi qui te vois tous les jours, je trouve que t'as maigri. Alors je pense que voilà. En fait, faut voir une personne qui, ça fait longtemps qu'il nous a pas vu. Mais à part, je vois pas qui. Si, on va dire Nathalie, moi, fait clochette à la fin. Ouais, mais elle nous voit tous les jours dans les vlogs. Ouais, mais en vrai, ça fait pas pareil. Mais je bien pense. Sûr que, bah ouais, mais bon, moi je parle plus vraiment quelqu'un qui t'a pas vu depuis un petit moment et voilà, qui regarde pas les vlogs. Et là, elle va te dire ah oui, t'as maigri. Que quelqu'un qui nous voit maigrir tous les jours. Bon, après, mes collègues, toi, encore bien, ce matin, m'a dit ouais, ça se voit que t'as. Mais oui. Ça se voit. Bon, déjà, moi, je suis contente. Après, voilà. Tant que je prends pas de poids, moi, tout va bien. Même si je stagne, on s'en fout. Le principal, c'est ça finit. Voilà. Ouais. Même si j'aimerais bien perdre quand même encore. Mais bon, après, hein. Ouais. Il y a des paliers où c'est plus dur. Bah là, moi, il faudrait que je perde encore 2 kilos pour passer un palier, là. Ouais, pour pouvoir ouvrir la boîte de chocolat. Pour avoir. Ton père. On a une boîte de chocolat que mon père nous a offert à Noël. Nous sommes le 1er mars, on ne l'a toujours pas ouverte. Et Corinne m'a dit, ouais, dès qu'on a perdu les 10 premiers kilos, en fait, en gros, on pourra l'ouvrir. Donc moi, il me reste 2 kilos pour pouvoir l'ouvrir. Moi, il me reste 4. Bah, même pas, il me reste 1,3 kg exactement. Mais bon, ouais, j'aimerais bien descendre en dessous des 110 déjà. Voilà, ça serait pas mal. Et elle me dit, ouais, tu pourras ouvrir la boîte de chocolat pour le truc. Pour le genre en mode récompense. Bah, ouais, faut mais se non. Un objectif. Hein, bah, franchement, si je devais choisir un objectif, ça serait pas du chocolat. Hein. Non, ça serait une sape. M'offrir une sape, ouais, une fringue. Ouais. Non, même pas. Remettre mes fringues des étés d'avant. Ma robe d'Isigol, là. Voilà, hein, celle-là. Pour ceux et celles qui me connaissent parfaitement, ça serait quoi ma récompense? Non, on n'a plus le droit. Non. On se l'est sans l'odeur. Sans l'odeur du steak grillé et avec le fromage par-dessus qui fond. Mais sachant que si on va vraiment à Disney, on va pas pouvoir manger sainement, donc ça va être encore des trucs de merde. Donc, bah si, on va manger des wraps. Tu vas emmener des wraps, tu vas cuisiner où? Là, on n'a pas de chalet, on n'a rien. Mais alors, du jambon, il n'y a pas besoin de cuisiner. Non, mais t'as cru que t'allais emmener une glacière et tout, toi. Déjà qu'on va, on part juste avec 2 sacs à dos. Donc, va falloir emmener... Vous imaginez... Un sac à dos. Nous, les filles, qui partons avec 15 000 tenues, comment je vais faire? Non, mais attends. Hein? En fait, le truc, c'est que on veut ou on va, on sait pas encore. En fait, on sait pas encore. C'est encore du conditionnel pour le moment. Déjà, faut que tu envoies un message à Nathalie. Oui, donc Nathalie, si tu es là, si tu passes par ici, envoie-lui un message. Faut qu'elle t'envoie un message. Ouais. Voilà. Donc en gros, on doit y aller le samedi soir pour le dimanche matin. Sauf qu'en fait, le dimanche matin, ah si, il y a Nathalie. Ça dépend à quelle heure elle arrive. Mais en gros, elle voulait prendre une valise. Et je dis, mais attends, je fais ça, ta valise, tu vas te la trimballer toute la journée le dimanche. Voilà. Encore quand t'es, ouais, mais quand t'es à l'hôtel ou quand t'as une voiture, tu peux la laisser. Mais là, on sera pas à l'hôtel. Donc j'ai dit, on sera obligé de prendre des sacs. Donc au moins, genre deux sacs à dos pour qu'on puisse au moins les garder tous les jours. Elle me dit, ouais, mais je vais faire comment pour les sables? Je fais, tu prends un pantalon et tu fermes ta bouche. C'est tout. Voilà. Si moi, je prends. Si je me tâche. Tu te tâcheras pas.
Non, mais il faut que je vais avec Nathalie par rapport à la consigne. Non, non, moi je prends un pantalon, point. On prend la petite valise noire, elle prend pas de place. Je prends deux caleçons. Oui, bah c'est mieux. Oui, bah le principal c'est les sous-vêtements et les chaussures. Bah voilà, et ben bah, ça suffit. Ouais, mais s'il fait chaud, t'imagines, on va transpirer comme des phoques. Oui, les phoques ça transpire, vous savez pas. Bah, en même temps, si il fait chaud. Mais c'est ça, s'il pleut. Si. On fait comment? Si l'impératrice. Non, mais il faut que je vaille avec Nathalie. Déjà, ouais, faut. Voilà, bref. En même temps, tu le sauras deux jours avant le temps qu'il va faire. Ah, ouais, mais alors. Le samedi, le climat, le 20. Parisien. Le 25 février, limite, on pouvait aller se baigner, se mettre en claquette, en short et se taper une bronzette. Et là, il fait 14. Ouais. Encore 14 degrés à 6h. Mais donc voilà, donc deux jours avant tu sauras si tu dois prendre des pulls ou pas. Voilà. Allez, on parle beaucoup trop. Ouais, faut s'arrêter vite fait chez notre ami Aldi. Chez notre ami Aldi, acheter quoi? Du graison et du chèvre. Ah ouais, en fait j'en étais grave envie là. D'accord. Bon allez, on va se quitter là. Bah oui, on va arrêter là. Ce blabla, ce blabla du jour. On va se laver. Voilà, demain, j'ai vraiment hâte, hein, quand je lui dis demain d'être à demain. Bah, j'ai vraiment hâte d'être à demain, d'aller voir ce petit lac et voir. Si on trouve. Oh, le GPS. Ouais. On va trouver. Puis au pire, on trouvera autre chose. Oui, visiter un peu, montrer autre chose. Autre chose que chez nous. De toute façon, on n'est pas pressé pour rentrer, il n'y a personne qui nous attend. Donc, voilà. Tant qu'on fait les courses avant de repartir, ça ferme à 21h Mercadona, donc on est là. Oh bah on est grave large. Ah bah oui, on est large, hein, on a le temps. Ouais, mais c'est le pour revenir en France après qui va être un peu plus chaud. Non, ça va le faire. Au pire, on passe. Allez, Romain et Corinne, on arrête de papoter. Allez, à demain. Si tout va bien. Si tout va bien. Ah bah ça dépend. Demain, si vous éclatez le compteur de pouces bleus. Ah ouais, mais je fais... Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. Ah ouais, nouveaux, nouvelles. Ouais, et nouvelles, ouais. Les deux. Parce que voilà. Bref, allez, on arrête. Tchou.